Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Donner de la transparence sur la durabilité en capital risque. David Thévenon, General Partner de Balderton. On a réalisé aussi qu'on était dans une position unique, en fait, parce qu'on aide, comme je l'expliquais avant, des centaines de sociétés à se créer, à se développer et à construire notre futur, en fait. Et dans ce contexte, en fait, on a tout intérêt à ce que ces sociétés considèrent d'une manière très sérieuse tous ces ESG targets, en fait. Et donc, nous, ce qu'on a intérêt, c'est que la prochaine génération d'entrepreneurs, la prochaine génération de sociétés prennent ça très sérieusement et construisent sur des bases saines pour le futur. Nous découvrons dans cet épisode les coulisses de Balderton. David nous livre en détail la thèse d'investissement de cette société basée à Londres. Nous passons au travers des fonds Early Growth et de ce qui est recherché par les investisseurs, qu'il s'agisse des secteurs, des catégories de start-up et des géographies. Mais mon objectif sur cet épisode est de se focaliser particulièrement sur les Sustainable Future Goals définis par Balderton, la manière dont la structure s'est organisée en interne pour suivre ses engagements et sa posture vis-à-vis de ses investissements. Nous parlons donc en profondeur de l'ESG Framework de Balderton. Nous parlons également, je vous rassure, de fintech et de crypto, deux secteurs que Balderton suit de très près et particulièrement deux investissements, Ramp et Request Finance. Bonne écoute à tous!